Wie kook weet niet. Wie kook. Maar in de pei. Wie hun han wie kahu. Wie ka kana. Kapuena. Van de pala. Van de pala un genaman. Duvalik. Il est pala nu wie kook. Ook in een veraman in la compagnie. Hij duvalik benana. Van de pala. En pala nu wie kook. Il parle un genaman. Pour les pour mariage. Pour les points canaux. Le pala ni wikou o pa wikou na pi homa li ka oni match ni wikou oni le po tamitok ni pongana gona tamikou coton elle l'homme c'est l'igname, l'igname c'est l'homme, c'est la représentation de notre manière de faire, de notre manière de vivre. C'est ce qui nous a nourri pendant 2000 ans depuis. On est parti dans les bateaux, dans les pirogues double pont depuis avec les Austronésiens, et puis qu'on a peuplé l'ensemble du Pacifique, on est parti avec ça. Et l'ensemble des rapports entre les individus aujourd'hui se forgent sur les échanges qui sont formalisés par cette igname. Elle rattache les individus avec le monde des ancêtres et puis le monde des vivants. On est un pays canard, on a cavé, on est hunhan, nous y cavé, on est un pongenaman, on est un chimo, chimo ne vit cahu, chimo ne vit hunmoné, chimo ne vit on est popora, on est un bébé ne vit sauver un cahu qui le camon ne vit hogo, calédon. Gino, c'est la force. C'est la force des ancêtres. Qui nous rattache au sol et puis qui fait qu'on est debout. Lorsqu'on mange l'igname, on mange la force des ancêtres. Le fait d'être Kanak aujourd'hui, c'est le fait de partager des valeurs qui nous rattachent à un espace, qui nous rattachent aussi à un mythe, qui nous rattachent à une expérience, qui forge notre identité dans un rapport entre les individus, entre les groupes, mais aussi qui nous rassemble par rapport à une conception du monde, une conception de l'environnement, une conception de la vie en communauté, et puis aussi un rapport à l'environnement qui va être celui du respect des calendriers horticoles en fonction de la vie de le cycle qui va être porté autour de l'igname.